petite vidéo pour vous expliquer comment intégrer dans la page de votre wiki un gestionnaire de tâches. Donc allez sur dynalist.io. Il faut vous créer un compte. Alors moi j'en ai déjà un, donc je vais me loguer. C'est un outil qui permet de faire des listes, et notamment des listes de tâches, et de jouer avec des mentions et des hashtags. Dans la version gratuite, il est tout à fait suffisant. Voilà, donc créez-vous un compte, ou si vous en avez déjà un, connectez-vous. Voilà, alors vous allez avoir la possibilité de créer des listes. Moi j'en ai déjà quelques-unes, donc j'en ai créé une qui s'appelle Télétravail, et dans laquelle, vous allez vite comprendre, on peut créer des listes avec des mentions par exemple, ou des hashtags, ce qui permet par après de trier ou d'attribuer des tâches à qui on veut. Voilà, alors ce qu'il va falloir faire dans votre cas, c'est aller donc au niveau de la liste que vous avez créée, de cocher sur les petites barres, de cliquer sur Manage Sharing, de cliquer sur que vous êtes d'accord de partager ce document, que vous êtes d'accord de le montrer à n'importe qui, que vous êtes même d'accord que les gens qui n'ont pas de compte Dynalist puissent quand même le modifier. Il faut le faire pour que ce soit beaucoup plus simple pour vos collègues. Vous copiez le lien qui est là, hop, vous revenez sur votre page, vous cliquez sur éditer pour modifier le contenu de la page. Là où vous souhaitez déposer le document, vous cliquez sur déposer le lien, vous collez le lien. Après, il y a une petite astuce maintenant. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est hop, vous allez dans le petit point d'interrogation. Vous récupérez le petit bout de code, là, insérer un iframe. Vous récupérez ce petit bout de code. Hop. CTRL-C. Vous revenez sur votre page. CTRL-V. Vous récupérez le petit code de chez Dynalist. Et vous venez le remplacer. Exemple.com devient le bout de code de chez Dynalist. Si vous faites sauver, eh bien vous allez voir que la liste en question, télétravail avec les tâches, apparaît et vous pouvez la compléter à partir du wiki. Voilà, super facile, c'est à vous de jouer maintenant.